Ici, je suis à la base du Mont Cameroun, à plus ou moins 600 mètres d'altitude, et je suis à moins de 3 km de l'océan Atlantique. Le Mont Cameroun est un volcan qui atteint jusqu'à 4000 mètres d'altitude, et sur tous ses flancs, il y a une forêt tropicale dense, comme nous le voyons ici. Les forêts tropicales humides sont l'un des écosystèmes terrestres les plus diversifiés de la planète. D'ailleurs, derrière nous, vous voyez d'innombrables arbres et d'arbustes. Et il se peut qu'aucun de ces individus appartienne à la même espèce, voire de la même famille. Ceci est en fort contraste avec ce que l'on connaît des forêts tempérées, par exemple en Europe, où une seule espèce peut dominer l'écosystème. Par exemple, le chêne vert dans les écosystèmes méditerranéens. Alors, qu'est-ce qui caractérise une forêt tropicale humide? Tout d'abord, c'est le climat. Comme vous le voyez, nous sommes ici dans un climat où il fait chaud et humide. Ce sont des écosystèmes qui sont donc près de l'équateur, de la ligne équatoriale. D'un point de vue de sa composition floristique, ce sont des forêts qui sont caractérisées par la forte présence des angiospermes ou des plantes à fleurs. Les forêts tropicales humides sont généralement structurées en plusieurs strates, c'est-à-dire plusieurs niveaux de végétation. Nous avons tout d'abord le sous-bois qui est constitué de petites plantes herbacées généralement. Nous avons la strate intermédiaire qui est constituée d'arbustes de petite taille, 4-5 mètres de hauteur. Derrière moi, vous avez les deux dernières strates des forêts tropicales humides, la canopée qui se situe à ce niveau-là, qui est la limite de la plupart des arbres, et la strate des arbres émergents, comme cet arbre-là. Ces deux dernières strates restent encore très mal connues par les chercheurs car elle est extrêmement difficile d'accès. Ici, nous avons un exemple de la famille des Rubiacées, c'est-à-dire de la même famille que le caféier, qui est extrêmement diversifié en sous-bois. Ici, nous avons une espèce typique des sous-bois, de la famille des Moracées, c'est-à-dire de la même famille que le figue. Ça s'appelle le genre d'orsténien qui a des inflorescences tout à fait spectaculaires, ici en étoile. Ce ne sont pas des fleurs, mais des inflorescences, avec au centre de ce disque des fleurs mâles et des fleurs femelles. Donc voici encore une autre espèce, très commune du sous-bois, avec des fruits bleus métalliques assez extraordinaires. Ici nous avons un joli exemple qui vient de la famille des Anonacées, qui sont généralement des arbres de la strate intermédiaire, poussant de 2 à 12 mètres de haut. Ici, nous avons un arbre de sous-bois qui est assez caractéristique. C'est le genre Diospyros, dont vous voyez les fleurs ici. C'est en effet une espèce de la famille de l'ébène, donc du bois très noir que l'on exploite ici au Cameroun et en Afrique. Les fleurs sentent remarquablement bon, et ici notamment, c'est une odeur de vanille qui s'échappe. Ici, nous venons juste de collecter un joli spécimen d'une anonacée qu'on appelle Monodora. Et cet arbre est vulgairement connu comme l'arbre orchidée parce qu'il a des fleurs qui ressemblent vraiment aux orchidées. Mais en fait, il est plus proche d'un magnolia que d'une orchidée. Spécialement pour le MOOC, aujourd'hui, nous avons collecté pour la première fois au Cameroun un genre qu'on appelle Miscogini. Et donc ce genre n'a jamais été collecté au Cameroun jusqu'à aujourd'hui où nous l'avons vu en fleurs ici en haut. C'est un grand arbre de la famille des Anonacées et qui a des fleurs extrêmement bizarroïdes avec des carpelles qui sont très longs, élongués, ce qui est assez rare pour les Anonacées ici en Afrique. Alors ce qui est extrêmement intéressant avec cette découverte, c'est que le genre Miscogini est distribué en Afrique de l'Ouest et il a été collecté aussi une ou deux fois au Gabon, mais ici au Cameroun il n'a encore jamais été collecté. Et il faut savoir que le Mont Cameroun, c'est une des régions les plus collectées d'Afrique centrale et du Cameroun, c'est-à-dire que tous les botanistes qui viennent au Cameroun auront tendance à venir collecter ici du fait qu'il y a une grande diversité. Cela montre que même après des années d'exploration de cette région, on peut encore trouver des nouveautés comme cette espèce-là que nous nous apprêtons à collecter. Donc voilà, nous avons descendu la fleur de cette superbe espèce que vous voyez ici, blanche au centre. Donc ce genre appartient à la famille des Anonacées, qui sont des arbres ou des arbustes, donc qui occupent la strate intermédiaire ou dans la strate de la canopée des forêts tropicales humides, ici en Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique du Sud.
temps en temps, pour collecter les fleurs, il faut grimper dans les arbres. Alors là, je vais grimper un joli spécimen du variodendron. Gouache, Mambo. Gouache. C'est une nouvelle espèce. Je vais y arriver. Gouache. J'ai fait 1 mètre. Tous les gamins qui sont avec toi. Certaines fleurs ne poussent pas près du tronc, mais poussent en hauteur dans les branches. Donc ici, j'ai dû grimper pour essayer de récolter une des fleurs. Et j'ai fait ça parce qu'elle est très délicate, et si on y va avec les perches, ça risque de la casser, de détruire le spécimen. Une autre grande caractéristique des forêts tropicales humides, c'est la présence de lianes, comme vous voyez là. Dans les forêts, normalement, sont couvertes de lianes et elles peuvent représenter jusqu'à 50% de la superficie en termes de densité des troncs. Elles représentent aussi une grande diversité en termes d'espèces, avec plus ou moins de 20 à 30% des espèces présentes en forêt tropicale humide qui seront des lianes. Elles jouent un rôle très important dans la régénération de la forêt. On va surtout les trouver en forêt secondaire. Ici, nous avons un exemple très intéressant. C'est Aristolochia, qui est un genre que l'on retrouve aussi dans les zones tempérées en Europe. Ici, elle se présente sous forme de liane, attachée à une autre liane. Et les fleurs poussent sur le tronc, et les feuilles, on va les retrouver tout en haut, vers la canopée. Je pense que la plupart d'entre nous connaît Tarzan, qui se baladait de liane en liane. Alors voilà ce que ça donne dans la vie réelle, dans les forêts du Cameroun. Les épiphytes sont des plantes qui poussent sur des supports, par exemple d'autres plantes comme des troncs d'arbres ou alors des pierres. Ce sont des éléments ici en forêt tropicale humide extrêmement importants et ils participent significativement à la diversité des espèces que l'on rencontre. Ici nous avons un exemple d'un tronc qui est tombé et sur ce tronc nous avons une incroyable diversité. Il y a des mousses, ici nous avons une petite bégonia, ici nous avons une orchidée du genre Bulbophyllum. Ici nous avons un lichen qui est une association entre une algue et un champignon. Et ici nous avons même des petites fougères qui peuvent être aussi des épiphytes. Alors rien que sur ce tronc d'arbre, nous avons eu un exemple très intéressant de la grande diversité d'épiphytes qui peuvent pousser juste sur un tronc en haut d'un arbre. Une chose qui est assez remarquable dans les forêts tropicales humides, c'est la présence d'arbres qui font ce qu'on appelle de la coliflorie. C'est-à-dire que les fleurs, au lieu de pousser sur les branches, vont pousser sur le tronc. Ici, nous avons un exemple assez spectaculaire. Vous voyez ici une fleur qui pousse le long du tronc. Alors, tout le tronc est couvert de ces fleurs. En l'occurrence, ici, une anonacée du genre Uvariopsis. Ici, nous avons un cas extrême de coliflorie. Donc voici, à la base de l'arbre, nous avons la production de fleurs et aussi de fruits. Comme vous le voyez, c'est un très grand arbre. Aucune fleur se développe en haut, mais seulement en bas. Ceci est sans doute fait pour favoriser la dispersion des graines, notamment par les petits mammifères qui rôdent en sous-bois. La pollinisation en forêt tropicale humide se fait principalement par les insectes. La pollinisation par le vent est très compliquée parce que dans le sous-bois, il y a très très peu de vent. Ici, nous sommes en présence d'une fleur de la famille des Anonacées qui est très connue pour ses pollinisations via les insectes et notamment les coléoptères. Donc ça va faire des fleurs de grande taille comme vous le voyez là. Et à l'intérieur ici, ce qu'on appelle la chambre pollinique, il y a beaucoup de petits coléoptères qui sont en train de manger le pollen. Une fois que les insectes auront fini, la fleur va s'ouvrir et va laisser partir les insectes avec le pollen attaché sur leur corps. Ceci est du genre Colla, qui est de la famille des Malvacées, donc la même famille que le cacao, qui sent
particulièrement mauvaises, donc qui sont plus ou moins la fermentation, donc le vin fermenté. Et ceci indiquerait que cette fleur pourrait être potentiellement pollinisée par des mouches. Au niveau des sols des forêts tropicales humides, il y a toujours une cape de feuilles mortes en décomposition. Il y a aussi des vieilles brindilles ou des branches. La décomposition se fait par l'activité des bactéries ainsi que des champignons, comme nous voyons ici sur un vieux tronc. La décomposition est extrêmement rapide car tout au long de l'année, il fait chaud et humide ici. Les nutriments qui sont libérés par la décomposition des feuilles sont tout de suite réabsorbés soit par les racines des grands arbres, soit par des petites plantules dans le sous-bois. De ce fait, les nutriments ne restent jamais longtemps dans le sol et sont toujours très vite réabsorbés dans les arbres. Les sols en forêt tropicale humide sont particulièrement peu profonds. Ceci crée des problèmes de stabilité pour les arbres, notamment dû à leur grande taille et aussi aux vents violents que connaissent les régions tropicales. Certaines espèces ont développé des adaptations. Ici, nous avons des contreforts qui sont des extensions du tronc vers la base. Ceci a pour effet d'augmenter la surface de contact avec le sol et donc procure une meilleure stabilité à l'arbre. Voici un autre exemple d'adaptation pour une meilleure stabilité chez les plantes en forêt tropicale. Et il s'agit de racines échasses qui sont en fait des racines qui partent du tronc plus ou moins à quelques mètres de hauteur et qui viennent s'enraciner plus loin que le tronc. Les forêts tropicales humides sont des écosystèmes extrêmement complexes, avec beaucoup d'interactions entre les plantes, les insectes qui y vivent. D'un point de vue écologique, ce dynamisme peut être traduit par ce que nous appelons un chablis. Donc ici, nous arrivons dans un chablis qui est au fait un trou dans la continuité de la forêt qui est créé par la chute d'un arbre. Alors ici, vous voyez, il y a un arbre qui est tombé et ceci a créé un trou dans la canopée et donc a favorisé l'arrivée de lumière. Ceci va favoriser à son tour la croissance de plantes qui sont restées à l'état dormant dans la sous-canopée, dans le sous-bois, pendant un certain temps et qui maintenant profitent de cette occasion pour pousser. Et c'est ces chutes d'arbres en fait, qui vont favoriser la croissance et le renouvellement de la forêt au fur et à mesure du temps. Les forêts tropicales humides sont menacées par de nombreuses choses, par exemple le changement climatique qui va changer la distribution de beaucoup d'espèces. Elle est aussi menacée par les espèces invasives. Donc ici nous avons un joli exemple, c'est le bambou de Chine. Ce bambou a été importé grâce à ses qualités de construction, mais une fois implémenté dans une région, comme vous le voyez tout autour de moi, elle commence à dominer par de grandes populations. Et éliminer ces bambous sont extrêmement difficiles, on peut y arriver qu'avec des produits toxiques ou alors avec le feu. D'autres menaces concernent aussi bien sûr l'agriculture, où de plus en plus de forêts sont défrichées pour y planter des produits de culture comme le café, le maïs ou alors la tomate ou le manioc.